Peu de personnes ont utilisé leur voix de la même manière que Son Altesse, le pape. Donc, sa lettre encyclique du mois de mars, il a appelé et exhorté les peuples du monde d'être les intendants de la création de Dieu et de se rappeler de l'impact du climat sur les personnes les plus pauvres du monde. Il a non seulement rendu possible l'accord de Paris, mais il continue à transmettre son message humble de solidarité vis-à-vis des dirigeants réunis ici. Et tout au long de cela, Son Excellence le Pape a parlé de l'importance de mettre en place une communauté de bienveillance pour aider les personnes les plus impactées par la crise climatique. Et j'ai donc l'honneur d'accueillir Son Excellence le Pape. Bonjour, bonjour, je vous salue tous et toutes. Cette initiative est une initiative qui est la bienvenue et qui nous met sur la bonne voie, toute l'humanité sur la bonne voie, grâce aux dirigeants, sur la voie vers Glasgow, mais notamment pour que nous puissions tous devenir les intendants de la nature, les intendants de ce don que nous avons reçu et que nous devons protéger à l'avenir. Ceci a tout autant d'importance car c'est un défi auquel nous sommes confrontés dans ce monde post-pandémie. La pandémie n'est pas encore terminée, mais il faut nous projeter à l'avant. L'on ne peut pas sortir d'une crise de la même manière que l'on est tombé dans une crise. Soit l'on en ressort amoindri, soit renforcé. Il faut que l'environnement soit plus propre, plus pur. Et c'est à nous de préserver cet environnement. C'est à nous de préserver la nature, afin que la nature puisse à son tour s'occuper de nous. Je vous souhaite une excellente réussite au cours de cette rencontre qui tombe à point. Et je suis avec vous, je suis à vos côtés. Merci pour ce message fort et éloquent. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'administrateur Reagan de l'EPA et le secrétaire de l'Agriculture et le secrétaire de la Sécurité intérieure. Bonjour tout le monde, je suis Tom Velsak, directeur secrétaire de l'agriculture et j'ai le plaisir d'être ici. Je remercie le président Biden et la vice-présidente Harris d'avoir eu la prévoyance de créer cette plateforme propice à la discussion. Et j'aimerais également remercier tous les intervenants qui nous rejoignent aujourd'hui. Il est très opportun que le président Biden nous ait invités à créer ce panel, car nous devons faire preuve de résilience et d'adaptation. Les personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, ce sont eux qui vraiment sont mis à la preuve avec le changement climatique. Sous l'administration de Biden et de Harris, le département de l'agriculture va s'efforcer de protéger la biodiversité, les sols et l'air et l'eau. Il y a des incidents de feu, des inondations, des ouragans qui créent des millions de dollars de dommages à l'agriculture américaine et à l'industrie forestière, et cela d'année après année. Et cela présente également un défi important à la sécurité humaine. Le changement climatique, clairement, a déjà un impact, d'où le besoin urgent de s'adapter, de faire preuve de résilience face à ces changements. Ceci est vrai aux États-Unis, mais également à l'échelle mondiale. En 2019, le GIEC a émis un rapport spécial sur les sols et a vraiment tiré la sonnette d'alarme. Depuis l'ère pré-industrielle, les températures au niveau des sols ont augmenté à une vitesse beaucoup plus rapide. Ceci crée une pression sur les sols. Cela exacerbe la difficulté quant à créer des moyens de subsistance. Cela menace également les infrastructures et les systèmes alimentaires. La bonne nouvelle, c'est que nous avons des stratégies pour relever ces défis. Et nombre de réponses qui renforcent la résilience et l'adaptation mènent également à l'atténuation et peuvent donc diminuer la dégradation des sols et augmenter la sécurité alimentaire.
Aujourd'hui, le département de l'agriculture des États-Unis sont en train d'annoncer des mesures importantes dans de nombreux domaines qui représentent environ 1 milliard de dollars pour atténuer le changement climatique. Nous allons, par exemple, chercher à reconstruire notre programme de conservation de la nature qui s'appelle Conservation Reserve Program. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer plus de 4 millions d'acres supplémentaires. Et ceci permettra donc de capturer le CO2 et permettra donc d'éviter qu'un chiffre important d'azote et de sédiments aille dans nos cours d'eau. Et nous allons investir des montants très importants pour une période de 15 années à venir pour rendre cela possible. Les améliorations que nous effectuons dans ce domaine sont des solutions innovantes qui sont associées à des technologies innovantes. Et ceci nous permettra de nous adapter au changement climatique. L'interprète s'excuse, mais le fil audio vient de s'interrompre. La connexion vient de s'interrompre. Il n'y a plus de fil audio. L'interprétation reprendra lorsque... Des politiques qui se soutiennent mutuellement peuvent soutenir les ressources, amplifier la résilience sociale, soutenir la restauration écologique et promouvoir la coopération entre les parties prenantes et les acteurs. Et nous sommes ici aujourd'hui pour apprendre les uns des autres et pour travailler ensemble pour relever ces défis. Ce mois, le président Biden a divulgué son budget 2022, où il y a des investissements clés pour répondre au changement climatique. Par exemple, investir dans la résilience et la préparation en cas de catastrophe, la justice environnementale et des solutions dans le monde de la science. Le département de l'agriculture va également investir dans cela pour améliorer la résilience des terres publiques et privées. Nous allons appuyer sur la recherche et la science. Et nous allons pouvoir répondre aux incidents de forêt et soutenir les Américains qui vivent dans les zones rurales pour qu'ils puissent également faire face au changement climatique. Ceci va promouvoir les investissements nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Ceci reflète également le leadership des États-Unis au niveau du climat à l'échelle internationale. Nous investissons 1,2 milliard de dollars dans le fonds vert pour le climat afin d'aider les pays en développement de réduire les émissions et de s'adapter au changement climatique. Il y a également 480 000 dollars qui vont soutenir d'autres initiatives multilatérales, y compris des programmes d'adaptation climatique. Ceci en plus des 691 millions de dollars du département d'État et de l'USAID qui vont aider les pays en développement à s'adapter aux perturbations climatiques, à étendre la production d'énergie propre en outre. Nous investissons dans la recherche afin de pouvoir augmenter la productivité agricole, améliorer les moyens de subsistance et renforcer l'adaptation et la résilience au changement économique, climatique. Et demain, nous ferons des annonces concernant les investissements que nous allons effectuer avec nos partenaires afin d'augmenter la recherche et d'apporter plus de solutions dans le domaine du changement climatique. Le thème de cette session, c'est de gérer l'eau, de préserver la sécurité alimentaire et de protéger les populations face aux impacts climatiques. Le changement climatique continuera à avoir un impact sur la sécurité alimentaire si nous ne relevons pas ces défis. Je vais maintenant passer la parole au secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, qui vous fera une déclaration concernant nos efforts. J'ai le plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui, alors que nous espérons des moyens innovants nous permettant de nous adapter à l'urgence climatique. En tant que secrétaire à la sécurité intérieure, je suis conscient des impacts que ceci a à la fois sur notre sécurité nationale ainsi que sur la sécurité à l'échelle mondiale. Nous devons donc faire encore plus pour relever le défi du changement climatique. Sous le leadership du président Biden, nous allons mettre en œuvre une nouvelle approche au changement climatique, à la résilience et à l'adaptation. Nous allons faire cela avec le sentiment d'urgence qu'exige ce problème. Nous savons également que les effets néfastes du changement climatique sur les personnes à travers le monde, y compris les populations vulnérables, créer plus de populations migrantes ou de populations déplacées. Il est donc essentiel que nous puissions réduire les émissions afin de pouvoir promouvoir la résilience et l'adaptation au niveau de notre secrétariat et avec nos partenaires. Je souhaite donc annoncer de nouvelles actions, de nouvelles mesures. Tout d'abord, j'ai lancé un plan d'action, un groupe d'action du département de la sécurité
intérieure. Donc, ce groupe d'action climatique intégrera tous les plus hauts officiers du département de la sécurité intérieure afin de pouvoir mettre en place des actions urgentes pour relever le défi du changement climatique. Et bien sûr, cette urgence ne cesse de croître et ce groupe de travail donc permettra d'amplifier nos efforts. Deuxièmement, le département a publié une demande ambitieuse pour demander des informations au peuple américain, avec une attention toute particulière sur la manière dont l'Agence de gestion des urgences fédérales, la FEMA, pourra s'assurer que ces programmes promeuvent l'équité pour tous, tout en augmentant la résilience, notamment pour les personnes qui sont le plus au risque des impacts du changement climatique. Les informations publiques que nous recevrons aideront la FEMA à mettre en place sa mission d'aider les populations avant, pendant et après les catastrophes naturelles, sous des conditions naturelles. Nous allons donc réorienter la FEMA pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs de mettre en place une culture de préparation dans le contexte de risques nouveaux qui émergent, notamment ceux produits par le changement climatique. Enfin, nous sommes en train de découvrir de nouvelles opportunités à travers le département afin de pouvoir promouvoir la durabilité. Par exemple, notre département est un fer de lance en ce qui concerne l'utilisation des véhicules électriques et nous souhaitons donc avoir 50% de notre flotte avec des voitures électriques dans les années à venir. Le département de la sécurité intérieure s'attache au partenariat. Nous allons relever les défis liés au changement climatique et c'est grâce au partenariat que nous pourrons faire cela. Pendant tant d'années, trop peu a été fait. Aujourd'hui, l'heure est venue d'agir. J'écouterai avec attention les idées de ce panel pour voir comment nous pouvons mieux travailler ensemble afin de réduire les émissions, créer des emplois, aider les personnes les plus vulnérables parmi nous et de nous assurer que notre nation ainsi que la planète tout entière puisse bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Secrétaire. C'est un défi croissant et nous sommes tous touchés. Je souhaite démarrer la discussion d'aujourd'hui et je me réjouis de savoir ce que vous faites pour préparer vos pays face à cette menace. J'ai quelques questions à poser et je vais commencer par le ministre des Pays-Bas ou la ministre des Pays-Bas, qui est donc responsable des infrastructures et des voies fluviales. La question est donc la suivante. Quelles sont les ambitions en matière d'adaptation de résilience pour vous et qu'est-ce qui est nécessaire pour faire de ces ambitions une réalité? Eh bien, bonjour à tous. Avant toute chose, je souhaiterais remercier l'administration Biden d'avoir organisé ce sommet. Vous agissez, cela est clair. Depuis février, l'envoyé spécial Kerry a parcouru le monde pour parler davantage non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a exactement 5 ans, nous avons signé l'accord de Paris et maintenant nous savons davantage quant à la protection de l'avenir. Nous savons que l'atténuation est une partie et le revers de la médaille, ou l'autre côté plutôt, c'est l'adaptation. Et nous devons tous travailler pour se protéger contre la montée du niveau de la mer et la dégradation des terres. Nos villes pourront prospérer si nous arrivons à éviter les canicules et les inondations et si nous pouvons être plus résilients face aux aléas de la météo. L'adaptation et la résilience offrent des dividendes. C'est un impératif. En 2018, j'ai créé une commission internationale sur l'adaptation avec Ban Ki-moon, Chrystia Freeland et Bill Gates à mes côtés comme co-président. Et le message est clair. L'investissement de 1 800 milliards de dollars dans 10 années pourrait générer des bénéfices à la même hauteur. Lors du sommet sur l'adaptation en début d'année, nous avons rassemblé plus de 13 dirigeants du monde entier pour parler de la question de la résilience et de l'adaptation. Et nous avons un plan d'action qui va orienter nos travaux dans ce domaine. L'adaptation est
a été un sujet essentiel de notre sommet et les Pays-Bas s'assurent que son aide au développement se concentre à moitié-moitié sur l'atténuation et l'adaptation. Je souhaiterais répéter l'appel de ma première ministre. Il faut accroître le financement pour l'adaptation pour qu'il arrive au même niveau que le financement et l'atténuation. Nous devons travailler davantage sur l'adaptation dans le cadre de la COP26. Alors, en faisant davantage en matière d'adaptation, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes climatiques qui sont liés à l'eau. L'eau est essentielle et le fait de partager des solutions sera essentiel pour changer de cap. C'est pourquoi le Pays-Bas est l'hôte du Centre international d'adaptation. Et nous sommes en situation de risque, mais les autres villes telles que Chennai en Inde ont besoin de notre aide. Nous cherchons à réduire les coûts par le biais de solutions basées sur la nature. Un autre exemple, avec le gouvernement du Vietnam et la Banque mondiale, nous travaillons désormais sur le littoral vietnamien. Voici donc quelques exemples de ce que nous faisons sur la voie, la voie vers un meilleur avenir. Et donc, préparons-nous. Je suis tout à fait d'accord avec vous, l'adaptation au climat est une question de survie pure et simple. Merci. Merci, Madame le Ministre. Vous nous avez donné la possibilité de faire une transition sur la question suivante qui a à faire avec le littoral. Et je me tourne maintenant vers le ministre de la Justice et de l'Économie, de la Communication et du Changement climatique de Fidji. Monsieur le ministre, j'ai une question à vous poser. L'eau et l'adaptation, cela peut vouloir dire beaucoup de choses, particulièrement pour les États insulaires qui font face à la montée des eaux et qui ont des aquifères qui débordent. Vous avez des précipitations moins prévisibles qui ont un impact sur l'agriculture. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en ce qui concerne la gestion des défis relatifs à l'eau? Merci, Monsieur le Secrétaire, Mesdames et Messieurs, Excellences. Bonjour à tous. Et en fait, il est très tôt, c'est le matin ici à Fidji. Pour vous donner un petit peu de contexte, en 2016, nous avons été touchés par le plus gros cyclone de l'hémisphère sud. Nous avons été dévastés en 36 heures. Il est donc devenu nécessaire de reconstruire et mieux. Et pour nous, cela a été un avant-goût de l'avenir. En l'absence des pays les plus, d'un des pays les plus riches et d'un des pays les plus émetteurs dans l'accord de Paris, on avait peur de repartir en arrière. Et d'autres pays vulnérables ont comblé l'absence des États-Unis. Nous avons essayé de convaincre les autres pays d'atteindre le net zéro d'ici 2050 et de se tenir à la cible des 1,5 degrés. Nous sommes un archipel de 300 et quelques îles. La plupart de la population se trouve sur le littoral. Et donc, si on est menacé par la montée du niveau de la mer, eh bien, les fleuves sont également vulnérables à la montée des eaux. Nous effectuons une évaluation des risques face au climat et nous travaillons sur l'adaptation de l'économie, le tout ayant à faire avec le littoral et le fluvial. Il y a davantage de déplacements qui sont réalisés pour sécuriser un certain nombre de communautés menacées. Nous travaillons sur les terres, nous utilisons des rochers pour protéger le littoral contre l'érosion et nous avons des produits de
assurance qui devrait passer à l'échelle supérieure dans d'autres États insulaires. Nous travaillons depuis 2017 au financement de projets climatiques avec des obligations. Et nous travaillons maintenant sur une obligation bleue avec le Royaume-Uni pour les actions relatives à l'océan. Avec les États-Unis réintégrés à l'accord, c'est très bien. Partageons vos ambitions de décarbonisation des expéditions par la mer. Malgré notre empreinte carbone faible, nous encourageons une collecte de connaissances au sein du Pacifique avec nos gouvernements et nos ONG. Et comme vous l'avez dit, l'adaptation au climat exige davantage de leadership, d'innovation et de financement à une échelle qui dépasse ce qui a été dit depuis 4 ans. Nous avons été touchés par d'autres cyclones récemment et cela nous montre les dégâts qui sont déjà causés par le climat. Mais même si l'économie mondiale devenait neutre, carbone neutre, demain, nous aurions toujours des problèmes de montée des eaux, le problème de précipitation et autres. Aujourd'hui, les communautés qui sont sur la ligne de front sont les nôtres, mais ce sera bientôt Miami et New York. Et les États-Unis peuvent contribuer à la construction d'un monde plus résilient avec ces travaux et d'autres actions pour essayer d'alléger le fardeau de la dette des pays en développement face au climat. Il faut que les procédures d'adaptation soient moins bureaucratiques et que les financements soient davantage accessibles et flexibles. Avec cette promesse de 100 milliards de dollars, eh bien, elle doit être réalisée. Les principes fondateurs au nom de la prospérité de l'économie mondiale, au nom de l'humanité et au nom de tout être qui vit sur Terre, nous avons besoin d'une ambition de tous les pays, les plus vulnérables y compris. Nous avons besoin de réformes structurelles et institutionnelles pour faire passer ces solutions à l'échelle supérieure pour que nous puissions sauver la planète. Merci, Monsieur le Secrétaire. Maintenant, nous allons parler de l'impact du changement climatique dans les pays qui sont sous stress climatique. Et j'ai maintenant le plaisir d'inviter Malik Amin Aslam, le ministre du changement climatique du Pakistan. Quelles sont vos priorités en matière d'adaptation climatique, notamment en ce qui concerne la gestion de la rareté de l'eau au Pakistan? Excellence, ministre, Assalamu alaikum, bonjour. J'aimerais tout d'abord remercier le gouvernement américain d'avoir réuni ce dialogue des dirigeants à une époque si critique. Le Pakistan est un pays qui contribue moins d'1% aux émissions mondiales, mais nous sommes l'un des pays qui sont parmi les 10 plus vulnérables du monde en raison de notre topographie, de notre géographie. Nous avons les glaciers de l'Himalaya. Il y a les zones arides du Pakistan qui connaissent des vagues de chaleur, des canicules comme jamais avant, des cyclones au sud du pays et une élévation du niveau de la mer et l'inondation, les inondations également. Et cela tout en plus des catastrophes naturelles dont l'intensité et les fréquences ont augmenté. Et ceci impacte des milliards de personnes. Ainsi, nous sommes sur les lignes du front de ce désastre climatique. Nous sommes un pays fort et résilient et nous essayons donc de relever le défi de faire face à cela. Nous plantons par exemple 10 millions d'arbres et nous plantons des hectares de forêt, des mangroves dans le sud. Aujourd'hui, le Pakistan est le seul pays au monde qui a une couverture de mangroves qui augmente. Nous augmentons le nombre d'aires protégées et nous essayons d'utiliser l'eau d'inondation grâce à une initiative qui s'appelle Recharge Pakistan. Donc, nous allons utiliser ceci pour remplir nos aquifères et pour d'autres solutions. Le Pakistan s'est également engagé sur une voie verte et propre. Nous aurions pu prendre un autre chemin qui coûte moins cher, mais ce serait quelque chose de polluant.
Nous nous sommes donc décidés à obtenir une énergie beaucoup plus propre à l'horizon de 2030 et d'utiliser plus de véhicules électriques. Le Pakistan, donc, est sur la bonne voie. Nous faisons beaucoup pour donc atténuer le changement climatique. J'aimerais également, pour conclure, vous dire que le monde a réellement besoin d'arrêter de se battre avec la nature, car ceci n'est pas quelque chose de pérenne. En fait, nous devons agir et faire plus pour lutter contre le changement climatique. Nous devons donc prendre des actions concrètes plutôt que des paroles. Il faut que nous agissions sur le terrain maintenant et nous devons également augmenter le financement climatique. Nous devons aider les pays comme le Pakistan, des pays qui doivent s'adapter, tout comme le Pakistan, au changement climatique. Et le monde doit également respecter l'engagement de 100 millions de dollars par an qui a été promis dans le domaine du financement du climat. Nous n'avons pas le choix. Nous devons suivre un chemin meilleur. Et le Pakistan souhaite donc avoir un partenariat et un chemin plus inclusif vers cette solution. Merci beaucoup. Nous allons parler maintenant de la sécurité alimentaire en lien avec le changement climatique. Je vais donc passer la parole au ministre de l'énergie, des mines et de l'environnement au Maroc, Aziz Rabah. Excellence, quelles sont certaines des stratégies que vous êtes en train d'envisager afin de renforcer la sécurité alimentaire dans le cadre du changement climatique et comment est-ce que le commerce international peut jouer un rôle? Bonjour, toutes mes salutations et merci aux États-Unis d'avoir organisé ce sommet. Et cela malgré le fait que notre pays en fait est responsable pour seulement 7,4% des émissions à l'échelle mondiale. Malgré cela, nous sommes sur les lignes de front des pays qui sont les plus impactés par le changement climatique. Au niveau de l'agriculture et au niveau du secteur de la pêche, ces secteurs sont impactés, ainsi que les villes côtières. Je dois également vous dire que nous avons d'autres menaces auxquelles nous sommes confrontés suite au changement climatique. Pour les personnes qui suivent les expériences des pays en développement comme le Maroc, eh bien, notre pays s'est engagé à proposer une riposte face au changement climatique. À cette fin, nous avons donc mis en place une stratégie nationale pour le développement durable qui comprend tous les secteurs et tous les domaines qui font partie des objectifs du développement durable. Nous utilisons également des énergies renouvelables et grâce à cela, nous avons eu de très bons résultats. Et cela grâce aux investissements publics et privés. Nous essayons également de faire face au changement climatique au niveau de la sécurité alimentaire. Nous avons mis en place une stratégie hydrique importante à l'horizon 2040 qui nécessitera l'investissement de 40 millions de dollars. Nous avons un objectif sur 7 ans, qui impliquera des dépenses de 12 milliards de dollars pour construire des barrages, par exemple, et également pour établir des centrales de dessalination de l'eau grâce aux énergies renouvelables. Et nous avons également une bonne source d'énergie solaire dans notre pays. C'est grâce à cela que nous allons relever les défis auxquels notre pays fait face dans le domaine de l'eau. En effet, le Maroc est un pays exclusivement agricole. Il y a donc une nouvelle stratégie qui est déployée pour le secteur agricole. Donc, après le succès du plan vert, nous avons donc déployé un nouveau plan et une nouvelle stratégie pour la décennie à venir. L'objectif, c'est d'atteindre la sécurité alimentaire et de pouvoir aider les communautés agricoles dans les zones rurales, tout en continuant à exportant les biens agricoles sur les marchés internationaux.
Nous essayons donc de préserver les ressources hydriques tout en proposant une énergie propre pour le secteur agricole. Nous voyons également le lien entre le changement climatique et la sécurité alimentaire. Et nous avons également mis en place une stratégie en place pour le secteur halieutique. Il y a toute une série de projets mis en œuvre pour protéger les zones côtières. Et nous voulons également protéger nos ressources naturelles ainsi que les forêts. Tout cela pour vous dire que nous mettons en place de nombreuses mesures pour faire face au déboisement, et cela d'une manière durable. Je dois également parler de la question du changement climatique et de son lien avec la sécurité en eau potable, la sécurité alimentaire. Il y a également d'autres crises que nous allons devoir atténuer au niveau national. Quoi qu'il en soit, le Maroc s'engage à travailler main dans la main avec la communauté internationale. Nous participons à de nombreux sommets. Nous allons également participer à la COP26. Nous sommes pleinement engagés et nous étions déjà engagés lors des précédentes réunions de la COP. Nous avons même lancé des initiatives pour appuyer l'agriculture sur le continent africain. Nous avons beaucoup de bons projets dans ce domaine. Sans oublier l'initiative de la ceinture bleue pour protéger notre richesse océane. Nous avons donc de nombreux projets en cours pour les zones fragiles, par exemple pour le bassin du Congo ainsi que d'autres régions en Afrique qui ont trait à l'eau. Il faut développer une énergie propre, notamment pour les pays africains, mais également au niveau national et international. Une fois de plus, je le réitère, le Maroc est pleinement engagé à aider les dirigeants du monde entier. Nous espérons que les pays de plus grande taille vont également augmenter leur contribution nationale pour que nous puissions mettre en place un mécanisme de financement, un système qui aidera les pays qui font face, donc qui doivent faire face au changement climatique. Nous devons renforcer la confiance mutuelle entre les pays développés et les pays en développement pour développer une économie verte et pour faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les différents secteurs de nos pays. Très bien, merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole au ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement de la Thaïlande. En tant que membre de l'ASEAN, comment est-ce que la Thaïlande fait face aux impacts du changement climatique, notamment en ce qui concerne l'adaptation et la sécurité alimentaire, afin de mieux contribuer aux pays qui se trouvent en Asie du Sud? Merci, monsieur le secrétaire. Et bonjour de Thaïlande à tous. Je souhaiterais remercier. D'avoir organisé cette rencontre et d'avoir invité la Thaïlande. La Thaïlande et les autres pays de l'ASEAN comptent parmi les 20 pays les plus vulnérables à ces scénarios du changement climatique. Nous figurons au 9e rang de sensibilité au niveau du littoral, de la famine, des inondations et des sécheresses. Nous avons engagé les efforts les plus importants pour nous développer de manière durable, sans trop d'émissions. Et nous avons un plan global de 2015 à 2050, et il s'agit d'un cadre à long terme qui oriente nos politiques et stratégies nationales en matière de changement climatique. Et bien entendu, l'adaptation compte parmi les trois piliers de la stratégie en question, les deux autres étant l'atténuation et l'adaptation de l'environnement. En ce qui concerne le plan d'adaptation nationale, nous avons élaboré un mode d'identification des zones vulnérables et à risque dans notre pays.
Notre première loi sur le changement climatique sera présentée au Conseil des ministres. Une fois que cela sera approuvé, elle passera, ce projet de loi au Parlement, et ce sera la première loi en la matière en Thaïlande. Elle nous permettra de mieux collecter des données, de mieux agir en toute transparence. Et cela ouvrira un nouveau canal de soutien financier par le biais de fonds qui nous permettront de mobiliser des financements pour des actions contre le changement climatique. Et nous sommes un des plus grands exportateurs de riz au monde. 25% de notre population travaille dans le secteur primaire et nous faisons face à un impact négatif du changement climatique avec des sécheresses ou des inondations extrêmes, entre bien d'autres fléaux et aléas. Et nous avons une philosophie agricole qui a été mise en place par Feu notre roi et mise en œuvre par le ministère de l'Agriculture pour une résilience dans le secteur agricole. En mettant en œuvre cette philosophie de notre roi, nous avons travaillé avec la sagesse locale de manière à permettre à nos exploitants agricoles d'aller vers une agriculture plus durable en Thaïlande. Nous avons un bon exemple des coûts et des avantages de l'atténuation de l'adaptation. Et cela est évident dans la production rizicole. En 2019, en Thaïlande, nous étions à la présidence de l'ASEAN et à ce moment-là, nous étions leaders dans le domaine de l'adaptation et nous avons entamé un dialogue pour identifier les risques communs des États membres de l'ASEAN et nous allons continuer à travailler de manière étroite avec les États membres de l'ASEAN pour atteindre les objectifs en matière de changement climatique de l'organisation. Cela étant dit, le soutien international en financement, en assistance technique et renforcement des capacités reste essentiel pour que nos actions d'adaptation soient véritablement efficaces. Monsieur le secrétaire, cher ministre, la Thaïlande va continuer à travailler avec ses voisins et ses partenaires internationaux dans le cadre de la présidence de l'APEC 2022 de la Thaïlande. Et sachez que le changement climatique sera une priorité pour nous lors de cette présidence. En Thaïlande, nous sommes en train de développer un modèle d'économie verte qui fera en sorte que désormais, on ne va pas reconstruire mieux, on va reconstruire plus vert. Tout ce qui sera fait devra englober la composante environnement. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas continuer à avancer de la même manière. Nous devons aller de l'avant de manière plus verte parce qu'après tout, pour que nous puissions survivre au siècle suivant, nous devons nous adapter à la nature et non l'inverse. Ainsi, mesdames et messieurs, sachez que la Thaïlande est ferme dans son soutien aux actions contre le changement climatique. Nous souhaitons léguer ce monde aux générations à venir et un monde sain de surcroît. Merci beaucoup. Passons maintenant à notre État insulaire, ministre des Transports, de la Communication et autres de l'Irlande. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous parler du financement de l'adaptation, particulièrement pour les petits exploitants agricoles et en ce qui concerne donc les écosystèmes, comment est-ce que vous pouvez créer un modèle agricole plus durable? Monsieur le secrétaire,
Avant toute chose, je souhaiterais remercier le président Biden de son leadership d'aujourd'hui et je souhaiterais également dire que l'Irlande est disposée à monter au créneau. Venons d'adopter une nouvelle loi climat au Parlement qui nous permet d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 au plus tard et de réduire les émissions d'ici 2030, comme l'accord de Paris nous y oblige. Et nous travaillons également sur un accord national. Nous le faisons avec une certaine humilité parce que nous comprenons qu'il reste beaucoup à faire. Et nous sommes tous sur la ligne de front de ce défi. Notre sécurité ne sera garantie que lorsque celle des autres le sera également. Et quand on parle de voisins, on parle de tous les pays du monde, de tous les continents. C'est la seule manière de faire fonctionner cela. Nos politiques doivent refléter cette interconnexion. Et l'Irlande utilise 99% de son financement pour l'adaptation aux plus vulnérables qui ont le moins de responsabilités. Et mon message clé est le suivant. Le soutien à l'adaptation et à la résilience dans l'agriculture nous permettra d'atteindre les ambitions de l'accord de Paris. Je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. L'adaptation et l'atténuation vont de pair. C'est une des leçons qu'il va falloir tirer. L'adaptation nous permet d'économiser et de préserver la nature, mais nous devons continuer à soutenir les communautés locales, particulièrement les petits exploitants agricoles, pour qu'ils utilisent les terres de manière durable et que les écosystèmes puissent se régénérer. Ce sont ces deux crises qui vont de pair, mais les solutions vont de pair également. Et c'est quelque chose de pertinent au sein de mon pays. Il faut protéger les nouveaux exploitants et faire en sorte qu'ils puissent bien gagner leur vie tout en restaurant la nature. Il faut que les exploitants soient mieux payer, c'est probablement la première chose à faire. Et cela s'applique, par exemple, à l'Irlande, où on se concentre sur le soutien à l'adaptation. Pour vous donner un exemple, on travaille avec les petits exploitants du Malawi, par exemple, depuis 5 ans, pour développer 20 variétés nouvelles de sorgho et 1 millier d'hectares a été cultivé en utilisant diverses techniques telles que des arbres qui maintiennent les nitrates. Et ces solutions sont également utilisées dans les petits états insulaires. Nous travaillons avec la Banque de développement asiatique et nous faisons partie d'un réseau de pays insulaires pour l'avancée des ODD au niveau local, avec des solutions éclairées par les connaissances locales dans le domaine de l'alimentation et de l'eau. Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour se concentrer sur des solutions axées sur la nature dans l'alimentation lors d'une réunion qui aura lieu en juin. Nous voulons transformer les systèmes alimentaires en mettant au cœur de cela les exploitants, aussi bien au moment de la COP26 que par la suite. L'adaptation axée sur la nature n'est pas simplement importante pour le climat et la biodiversité. C'est quelque chose qui a déjà été dit par le Pakistan, il me semble, mais cela peut également nous aider à arriver à la paix. C'est un lien qui doit être inclus dans la diplomatie du climat. Et quelque chose qui doit être inclus dans notre leadership au sein du Conseil de sécurité. Merci, Monsieur le Secrétaire. Nous allons maintenant céder la parole au Qatar, le ministre Al-Sabaï. Monsieur le ministre, le Qatar est innovant dans le développement de solutions face au changement climatique. Quelles sont les manières innovantes qui nous permettraient d'intégrer l'adaptation et la résilience et la collaboration dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement impliqués
uns avec les autres ou avec des questions relatives au climat. Merci beaucoup, secrétaire Filzak. Bonjour du Qatar. J'ai vraiment l'honneur donc, de vous rejoindre aujourd'hui. Le changement climatique représente un défi générationnel important pour tout le monde. Ce sommet nous donne l'occasion de faire avancer de manière décisive nos objectifs communs pour créer un avenir prospère. Notre région, comme d'autres, est impactée par le changement climatique. Il y a une hausse des températures, une hausse de l'élévation de la mer, et nous estimons, nous ressentons directement les effets. Au Qatar, les vulnérabilités existent au niveau du secteur de l'eau, de l'agriculture, dans les zones côtières, et ainsi que dans les environnements maritimes. Nous voulons donc relever ce défi. Et c'est l'un des piliers de notre vision, car nous voulons avoir un développement responsable. Nous sommes en train d'atténuer les émissions chez nous, au niveau des installations et dans le secteur résidentiel. À Doha, il y a l'une des plus fortes concentrations de bâtiments certifiés durables sur la planète. Nous investissons dans la recherche et nous sommes en train de créer une industrie solaire intégrée. Qatar est maintenant sur la bonne voie de pouvoir augmenter sa capacité solaire et de multiplier cela par 4 dans les années à venir. Nous allons donc développer de manière responsable nos ressources en gaz naturel afin de réduire les émissions industrielles et de trouver des solutions de capture de carbone afin de s'assurer que nous puissions continuer de manière durable du gaz naturel aux pays du monde entier comme des alternatives moins polluantes. En 2022, nous allons donc accueillir le championnat de foot à bas carbone, à zéro carbone. Nos efforts sont extrêmement urgents dans le domaine de l'agriculture. Avant 2017, nous importions presque 90% de nos aliments, mais ceci a fortement changé. Nous avons investi à l'échelle nationale dans la production alimentaire, ce qui a permis au Qatar de devenir l'un des pays avec la meilleure sécurité alimentaire de la région. Nous avons déployé des technologies avancées en matière d'agriculture afin de pouvoir augmenter l'efficacité, éliminer les déchets et diminuer la consommation en eau. Grâce à ces efforts, nous avons presque doublé notre capacité de production à l'échelle nationale. Nous avons donc, sommes donc devenus autonomes pour certains types de biens. Ceci permet donc de renforcer la durabilité de notre secteur agricole. Mais nos efforts ne vont pas s'arrêter à nos propres frontières. Donc, depuis 2012, le Qatar a travaillé à l'échelle internationale pour enrayer le changement climatique. Par exemple, nous avons engagé 100 milliards de dollars US pour soutenir les petits États insulaires en développement, ainsi que les États moins développés, pour que ces États puissent faire face au changement climatique. Ceci reflète la conviction du Qatar concernant le rôle important que tout le monde peut jouer pour faire face à ce défi. Notre engagement à l'échelle internationale est notamment important dans le domaine de la sécurité alimentaire. Nous faisons partie de différentes associations qui partagent des bonnes pratiques et des technologies afin de pouvoir aider les nations arides. Ceci permet donc d'avoir des stratégies intégrées en matière d'utilisation de l'eau et de l'agriculture pour arriver à la sécurité alimentaire. Nous investissons également dans des projets relatifs au climat. Et donc, nous avons une organe qui vient du One Planet Summit qui est tenu à Paris en 2017. Nous allons donc des capitaux à l'échelle mondiale afin de pouvoir contribuer à une transition fluide vers une économie à basse émission de carbone. En 2019, nous avons fait un investissement de 20 millions de dollars à l'accélérateur de la PNUD et ceci permet donc de relever les questions les plus urgentes en matière de développement durable.
Le Qatar soutient également l'agriculture durable, l'énergie renouvelable et la sécurité alimentaire dans de nombreux pays où les effets du changement climatique sont les plus ressentis, à travers une organisation fondée en 2008 qui s'appelle Salatech. C'est engagé donc à un développement durable. Au Yémen, par exemple, nous travaillons avec des organisations locales pour mettre en place des panneaux solaires pour alimenter des pompes à eau pour aider les agriculteurs dans l'irrigation. Ceci permet de réduire l'impact climatique de l'agriculture. Et l'initiative a également créé plus de 12 000 emplois pour la jeunesse yéménite. Nous travaillons avec des partenaires donc pour former la jeunesse yéménite et pour également diminuer la dépendance sur l'eau. Il y aura également des milliers d'autres emplois qui seront créés dans le pays. Nous avons pris des actions collectives et nous pensons que grâce à cela, nous allons pouvoir surmonter ce défi. Donc, nous sommes engagés à enrayer le changement climatique, mais également à créer un cadre propice à la croissance mondiale qui permettra à tout le monde d'en profiter pendant les décennies à venir. Nous nous réjouissons donc de travailler avec vous tous ici dans ces efforts. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons maintenant passer aux impacts humains du changement climatique. Et nous allons donc inviter Jeanne d'Arc, Mujawa Maria du Rwanda, à s'exprimer sur l'impact à l'échelle humaine du changement climatique. Madame la ministre, je vous propose donc que vous nous donniez votre point de vue concernant la prévalence accrue de certaines maladies ou de certaines instabilités qui peuvent arriver à l'échelle locale en lien avec le climat. Et que faites-vous au niveau sous-national, sous-régional, pour répondre aux besoins des communautés vulnérables au Rwanda? Merci, Monsieur le Secrétaire. Excellences, ministres, distingués invités, tous les protocoles sont observés. Je vous souhaite une excellente journée de la Terre et salutations de Kigali. J'ai le plaisir de rejoindre ce sommet et de partager les mesures prises par le Rwanda en termes de résilience et d'adaptation. Merci également à l'envoyé spécial John Kerry d'avoir organisé ce sommet. Et merci également au secrétaire Vilsack de présider à cette session. En 2019, au Rwanda, nous avons eu un orage terrible. Il y a eu des inondations, il y a eu la destruction de bâtiments et de logements, également de cultures. Des dizaines de personnes sont décédées. Et deux semaines auparavant, le gouvernement avait pris une décision nécessaire mais difficile de déplacer les personnes vivant dans les zones humides, notamment de la capitale Kigali. Et donc, le désastre qui a eu lieu le 25 décembre aurait pu être bien pire sans l'action décisive du gouvernement. Des centaines de vies ont été épargnées grâce à cela. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est de pouvoir renforcer cette résilience tout en protégeant les écosystèmes. C'est pour cela que nous avons construit le fonds vert du Rwanda. Donc, c'est un catalyseur pour les investissements verts afin de pouvoir réagir face aux besoins de notre pays. Le fonds a déjà mobilisé près de 200 millions de dollars US et a donc créé 140 000 emplois verts. Il y a également 30 000 hectares de bassins versants qui ont été protégés. Grâce à l'action décisive du gouvernement et grâce à ces investissements, il y a eu donc de nombreux villages verts qui ont été créés à l'échelle du pays qui servent de modèle. Et ce sont également des sites d'écotourisme. Tout ceci contribue à la santé des populations et ainsi qu'à la croissance économique. La mise à échelle de telles initiatives
l'identification de sources de financement grâce au commerce du carbone et d'autres éléments. Ceci est essentiel afin que nous puissions mettre en œuvre nos CDN pardon, ambitieuses. Personne n'est résilient, aucun pays n'est résilient si tous les pays ne sont pas résilients. Nous sommes tous interconnectés, interdépendants. Nous ne pouvons donc pas ignorer la crise climatique à laquelle nous faisons face en tant que pays et en tant que communauté internationale. Merci pour votre attention et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Enfin, et non des moindres, j'ai le plaisir d'accueillir le ministre de l'Environnement et de l'Action climatique du Portugal, João Pedro Matos Fernandes. Le Portugal est leader dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, mais ils effectuent également des négociations au niveau de la stratégie d'adaptation de l'Union européenne. Et il est président donc, du Conseil de l'Union européenne. L'Union européenne a récemment publié une stratégie d'adaptation avec des mesures au niveau européen. Excellence, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi nous pouvons nous attendre, selon vous, de la part de l'Union européenne à ce niveau-là? Et vous pourriez donc partager également du niveau national et sous-national. Ministre Toms Vilsack, chers collègues, merci beaucoup pour cette invitation. C'est une journée très importante pour l'Union européenne. Nous sommes arrivés à un accord sur une loi importante concernant le climat avec une cible de 50% des réductions des émissions de 2050, une neutralité donc d'ici 2050 avec des émissions négatives par la suite. Nous avons renforcé le rôle de la science avec la mise en place d'un conseil consultatif scientifique et l'utilisation d'un budget pour le gaz à effet de serre sera utilisé pour atteindre les lois concernant l'atténuation. Nous travaillons sur la réponse globale, mondiale dans le monde, la stratégie de l'Union européenne en matière d'adaptation et l'adoption de stratégies nationales joue un rôle. Les politiques doivent intégrer la composante climat pour prendre en charge les risques et les vulnérabilités. Le Portugal a été le premier pays au monde à s'engager à la neutralité carbone d'ici 2050 et par conséquent, nous sommes ravis que cette loi ait été adoptée au niveau européen lors de notre présidence du Conseil. Nous sommes ravis de participer à cette réunion aujourd'hui. Puis-je continuer? Il semblerait y avoir un problème technique. Monsieur le ministre, allez-y. Le Portugal est engagé en faveur de l'importance de l'adaptation et nous allons nous assurer que l'Union européenne continue à travailler dans ses activités qui mèneront jusqu'à la COP26 à Glasgow. Nous allons travailler avec l'Union européenne sur une nouvelle stratégie qui donne une vision plus à long terme d'une société résiliente face au climat d'ici 2050 en faisant en sorte que l'adaptation et l'atténuation soient plus systémiques, plus intelligentes et plus axées sur une plus grande échelle au niveau international. Nous travaillons sur les solutions basées sur la nature, dans les différents paysages au niveau individuel ou local. Dans ce contexte, l'adaptation est un pilier de notre politique qui se concentre sur la gestion territoriale et des eaux. Le Portugal est un des pays européens les plus affectés par le changement climatique. Ainsi, l'adaptation est un élément clé
du plan de relance de la période post-Covid. Le renforcement des capacités s'opérera et nous allons travailler avec les circonstances locales. Nos territoires, notre territoire est pratiquement couvert par ce plan d'adaptation et maintenant nous avons besoin de réfléchir davantage au cadre de gouvernance. Un élément essentiel de ce processus consiste en une feuille de route et en un discours sur l'évaluation des risques liés au climat. Cette feuille de route nous permettra d'identifier les besoins et les coûts, y compris le coût de l'inaction. Les projets seront identifiés de manière à mieux soutenir les politiques efficaces sur le terrain. La coopération avec d'autres pays, notamment avec les pays d'Afrique, jouera un rôle essentiel. Nous allons organiser un forum de réinvestissement Europe-Afrique pour partager des idées et des solutions face à ce problème commun qu'est le changement climatique. Et nous allons faire en sorte que nos économies deviennent plus concurrentielles et résilientes. L'Union européenne et les pays membres sont disposés à échanger avec les autres. Il n'y a aucun doute, nous devons travailler ensemble et agir maintenant pour éviter les pires impacts du changement climatique. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci à chacun des membres du panel. Je pense que nous avons identifié cette crise comme étant une crise partagée et le fait que cette crise soit immédiate. Nous devons identifier des investissements de manière à pouvoir développer cette économie verte qui offrira une sécurité mentale à tous. Merci de bien vouloir d'avoir partagé avec nous ces meilleures pratiques, ces bonnes pratiques qui sont les vôtres et je me réjouis de poursuivre nos conversations sur ce sujet de grande importance et j'espère vous voir lors de la COP26. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour à notre section basée sur les solutions basées sur la nature. Je suis heureuse d'être la modératrice. Nous allons discuter des modalités nous permettant d'augmenter nos ambitions climatiques. Aujourd'hui, nous allons concentrer sur le rôle de la nature pour respecter les buts de l'accord de Paris et les maintenir à portée. L'impact de la pollution des gaz de serre, des chaleurs extrêmes, de la hausse des niveaux de mer, tout ceci a un impact dévastateur sur notre terre et sur la mer. Et en même temps, la solution nous offre des solutions à la crise climatique. Et réalisant net zéro en 2050 ne sera pas possible sans la nature. J'ai appris à respecter le monde naturel de la part de mon père qui m'a toujours emmené, moi et mes frères et sœurs, à l'extérieur pour profiter de la nature et notamment le champ de maïs de mes grands-parents dans le Pueblo de Laguna où j'ai appris à quel point le monde était interconnecté. Notre nourriture était cultivée par nous-mêmes et tout cela provenait du soleil, de la terre, de la rivière et des neiges hivernales. C'était une leçon qui nous apprenait que même les vers de terre du maïs participaient à cet écosystème qui soutient toute la ville. La nature a un rôle critique à jouer pour améliorer notre résilience par rapport au changement climatique, pour créer des économies en plein essor et durables. Si nous gérons bien nos terres, la faune et la flore, nous pourrons créer de nouveaux emplois et gérer des millions de dollars de rendement économique autour des années à venir. Nous savons que les forêts bien portantes capturent le carbone. Nous savons que la mer souffre du changement climatique et que les terres humides créent des barrières contre les tempêtes plus chaudes et plus fréquentes et que nos communautés dépendent des ressources terrestres pour s'épanouir. L'administration Biden-Harris estime que attaquer le changement climatique n'est non seulement un défi, mais aussi une opportunité pour orienter le monde vers la voie de l'équité et de la prospérité. Je partagerai certains engagements de notre engagement pour jouer notre rôle et promouvoir des solutions naturelles à l'échelle nationale et internationale. Nous avons prévu 34 millions de dollars à un fonds de côtes naturelles pour assurer la résilience par le biais de l'animation océanique et atmosphérique et d'autres partenaires et publics. Des projets financés rétabliront les écosystèmes tels que les récifs de corail et les terres humides pour protéger les humides contre les impacts climatiques avec des engagements de la part des membres des communautés, y compris des communautés mal desservies. Nous allons commencer sur les engagements du président pour conserver 30 % des terres et des eaux aux États-Unis d'ici 2030. Ceci commence par une implication des autorités locales, tribales, des États, les fermiers, les ranchères, les propriétaires de terrain et tous les partenaires pour façonner une vision inclusive de la conservation qui profitera à tous sur le plan international. Nous appuyons des partenariats tels que l'infrastructure de l'USD pour la sécurité de l'eau avec le Pérou et le Canada qui œuvrent avec les services publics de l'eau pour avoir des infrastructures nature de l'eau, des systèmes de gestion de l'eau et un capital humain pour accroître la stabilité et la prévisibilité des fournitures en eau. Nous accélérons les investissements publics et privés dans les solutions naturelles pour le climat par le biais de l'USAID qui conserveront, géreront et rétabliront les forêts et d'autres terrains pour répondre aux cibles de l'accord de Paris et accroître les investissements mondiaux et de nouveaux programmes au Brésil, au Colombie, au Pérou, au Mexique, en Inde et en Indonésie. Nous appuyons la proposition visant à protéger les mers australes par le biais la proposition de zones marines vertes dans le cadre des programmes de conservation antarctique. Et comme on vous l'a dit précédemment de la part de nos homologues du Royaume-Uni, nous allons lancer la coalition LEAF qui va contribuer plus de 1 milliard de dollars aux forêts tropicales et leur protection pour réussir des émissions net zéro d'ici 2050. Cela nécessitera de travailler tous ensemble et avec la nature pour attaquer ces menaces posées par le changement climatique sur le monde et pour nous doter d'un avenir plus durable pour des générations à venir. À présent, j'ai l'honneur de vous présenter les membres de notre panel qui vont participer à nos discussions pour voir comment chacun de nos pays travaille pour soutenir des solutions basées sur la nature. Le ministre Wilkinson du Canada, le ministre Maiza de Costa Rica, le ministre White du Gabon,
le ministre Panjatan d'Indonésie, le ministre Kihandria du Pérou, le ministre Joubert des Seychelles, le coordinateur général Tuntiak Katan de l'Alliance globale des communautés territoriales, Archana Soreng, membre du Conseil consultatif de la jeunesse sur le changement climatique. Nous sommes très heureux de vous accueillir tous pour envisager à quoi ressemblera un monde résilient et net zéro en 2050. Nous avons hâte de connaître votre éclairage et votre point de vue sur ce que nous devons faire d'ici 2030 pour rendre possible le net zéro et pour savoir comment vos pays ont déjà mis en œuvre des solutions basées sur la nature. À présent, tout d'abord, je vais demander au ministre Meza. Je vous remercie. Merci, Madame la Secrétaire. Merci, Monsieur le Président Biden, d'avoir organisé ce sommet et surtout d'avoir organisé cet atelier sur les solutions fondées sur la nature. Nous avons entendu beaucoup parler du rôle essentiel de la nature pour aborder la crise sanitaire à laquelle nous faisons face, mais également par rapport à la biodiversité et à l'environnement. Nous avons besoin de cette approche multidimensionnelle où ces solutions fondées sur la nature sont des éléments essentiels pour atteindre les objectifs de Paris. Nous devons tout de même reconnaître que la nature, que l'environnement sont des actifs qui proposent des sources de richesse et de croissance économique. Et mon pays, Costa Rica, a prouvé qu'il y a une voie à suivre pour atteindre une économie robuste. Dans un rapport récent, il y a des preuves comme quoi la nature a donné lieu à des bénéfices économiques de plus de 2 milliards de dollars en une seule année, un fort pourcentage de notre PIB. Comme vous avez remarqué, lorsque nous avons créé notre système de parc naturel, nous avons également catalysé cette industrie essentielle, le tourisme. Nous avons pu assurer cette approche intégrée pour mettre fin à la déforestation, mais en même temps pour augmenter notre revenu par tête. Je dirais que nous avons ici une vision très claire. C'est la raison pour laquelle nous incorporons les solutions fondées sur la nature et sur les océans dans notre plan stratégique pour la décarbonisation, mais également dans la revalorisation de nos zones NDC. C'est parce que nous estimons que cela fait partie de la solution. Nous soutenons pleinement le multilatéralisme également et nous nous félicitons énormément de voir que les États-Unis sont revenus et se trouvent à nouveau ici. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé également la coalition de haut niveau au service des populations et de la nature, composée de Costa Rica, des pays amis et des États-Unis et d'autres acteurs qui a plus de 62 pays qui consacrent leurs efforts pour protéger 30% des territoires et des océans d'ici 2030. Donc voilà à quoi ressemble l'avenir. Nous devons protéger les océans et les terres à 30% dans ce délai. Donc nous nous félicitons de voir que les États-Unis s'est engagé au niveau national également vis-à-vis de cet objectif. Et il faut des actions et des mesures. Il ne s'agit pas tout simplement des engagements. C'est la raison pour laquelle également nous avons incorporé, nous collaborons avec les peuples autochtones et les populations locales. Nous estimons que ces acteurs doivent faire partie intégrale de la protection de ces domaines, mais également de leur gestion. Ce que nous avons entendu et ce que nous avons observé, c'est que ces populations sont dotées de ces connaissances et de ces maîtrises, et c'est ce qu'il faut pour la protection de ces aires. Nous devons également passer des paroles aux actes. C'est la raison pour laquelle les aires marines protégées connaîtra une hausse dans le pourcentage de ces aires qui sont protégées. Il s'agit d'une tâche colossale que nous prenons avec toute responsabilité, car nous savons que c'est une décennie clé. Je souhaite souligner également l'importance de la mobilisation davantage de ressources en faveur de la nature. Et c'est pour ceci que nous
Nous accueillons avec satisfaction le lancement de cette coalition, surtout ces mécanismes de financement qui proposent un soutien nécessaire pour les pays dotés de fortes ambitions comme le nôtre. Merci, Madame la Secrétaire. Je me sens tout à fait enthousiaste et ouverte des réflexions que nous allons entendre du panel. Je vous remercie, Madame la Ministre. Cela est tout à fait incroyable. Je donne maintenant la parole au ministre Florian Joubert des Seychelles, qui a enregistré les remarques pour notre session. Comment les systèmes sans carbone ont constitué une priorité pour son pays, ainsi que les zones maritimes protégées, qui constituent une triple victoire: le climat, la biodiversité et des avantages nutritifs. Excellences, je suis honoré de pouvoir participer à ce panel de leaders du monde entier. Les Seychelles est un État insulaire qui dépend de la mer, y compris pour notre sécurité alimentaire, notre économie et protéger nos traditions culturelles. Nous sommes également riches en diversité marine. Nos eaux ont certaines des espèces et écosystèmes marins les plus diversifiés de la planète. C'est pourquoi, pour renforcer la biodiversité, la résilience et la soutenabilité, la productivité, les Seychelles protègent actuellement 30% de nos zones, une zone de quelques 400 000 km² de zones productives marines qui est environ 6 fois plus grande que la République d'Irlande. La diversité à la taille de la Grande-Bretagne. La zone protégée a d'ici 2030 le but de 30% de 2030 d'ici 2020. Et cela, d'après les scientifiques, est crucial pour assurer la vie marine et atténuer les impacts du changement climatique d'ici 2030. Malgré que nous soyons les moins responsables du changement climatique et pourtant les plus vulnérables et souvent les plus touchés, les Seychelles font preuve de résilience et les mènent par l'exemple. Et finalement, nous allons renforcer notre capacité océanique car nous sommes les plus touchés par le carbone. Les Seychelles investissent davantage dans les restaurations d'écosystèmes pour trouver des solutions tout en assurant une transition vers une pêche plus durable. Cela répond aux ambitions climatiques du Seychelles que d'être des leaders par le biais d'adaptation des écosystèmes ou des changements. Les Seychelles cherchent des moyens d'être le champion de ces thèmes par le Cambon afin de déterminer les contributions par le biais de l'accord de Paris. Nous consacrons tout un chapitre de notre objectif aux solutions faibles en carbone pour le changement climatique. Notre but révisé cherche diverses mesures de protéger les corails et les terres humides, qui sont des éléments chimiques et des systèmes à carbone bleu pour le climat. Cela absorbe plus de carbone par unité et cela joue un rôle critique pour atténuer le changement climatique. Les terres humides côtières également offrent des adaptations bénéfiques et les communautés côtières peuvent lutter contre l'inondation. Nous devons protéger ces systèmes de carbone à tout prix. Et pourtant, il faut noter cependant que nous concevons des modèles innovateurs de conservation, y compris un échange d'adaptation, ainsi que nous avons le premier moyen d'assurer ces protections pour nos zones marines et côtières. Nous assurons des protections, y compris un processus de planification marine et un réseau de protection marine pour au moins 50% des mangroves et des écosystèmes d'ici 2035 et 100% des mangroves d'ici 2030. Ceci grâce à l'excellent soutien. Nous cherchons à réguler la planification côtière au niveau national et local afin de prioriser solutions basées sur la nature pour répondre aux engagements. Ces contributions sont claires et transparentes et permettront aux Seychelles de répondre à ces ambitions d'ici 2030 ou 2035. C'est pourquoi la conservation de l'océan constitue une priorité clé pour notre gouvernement,
à mesure que nous attaquons la crise du climat. Je vous remercie. Ce sont des excellentes nouvelles des Seychelles. Maintenant, nous allons passer à la coordination générale de l'Alliance mondiale des populations territoriales assurée par M. Catan. Dans la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature, quel est le rôle à jouer par les populations territoriales pour lutter contre les changements climatiques et comment est-ce qu'un soutien peut être assuré également? Bonjour, mesdames et messieurs. Je souhaite tout d'abord vous remercier de cette invitation, remercier le président Biden, madame la secrétaire et à l'ensemble des conférenciers. Nous vous saluons depuis la coordination générale de l'Alliance mondiale des populations territoriales de l'Amazonie, de l'Amérique centrale et en partie du bassin du Congo également entre les peuples représentés. Lorsque l'on parle des solutions fondées sur la nature, l'on parle de quelque chose d'essentiel. Les peuples autochtones de ces différents organismes de l'Alliance mondiale, nous avons 800 millions d'hectares de forêts tropicales dans le monde, soit près de 80% de l'étendue territoriale des États-Unis. Pour nous, il est essentiel de traiter cette question car nous estimons et nous proposons que les solutions fondées sur la nature doivent également aller main de la main avec les solutions fondées sur les communautés populations territoriales, autochtones, locales et également les communautés qui habitent en zone urbaine. Raison pour laquelle, ainsi que dépositaire des forêts du monde, pour pouvoir mieux participer dans la création de solutions climatiques, nous demandons essentiellement que sur les 800 millions d'hectares, 50% n'est pas reconnu comme territoire juridiquement parlant. Le premier pas passe par la reconnaissance des droits territoriaux. Deuxième pas, la reconnaissance des apports déterminés des peuples autochtones et populations locales, c'est-à-dire les apports des peuples autochtones à travers les forêts et les territoires en vue d'atténuer les émissions qui contribuent au changement climatique. Par ailleurs, reconnaître les connaissances et les pratiques traditionnelles pour lutter contre les changements climatiques, ce qui suppose l'adaptation, la résilience également des peuples autochtones qui, historiquement, ont proposé depuis très longtemps que la manière d'agir, nous, en tant qu'êtres humains, qu'humanité, et que les politiques économiques du monde aujourd'hui ne sont pas adéquates. C'est formidable de voir que le président Biden et un grand nombre des dirigeants du monde commencent déjà à proposer des évolutions dans ce sens. Maintenant, il est nécessaire de penser à des mesures concrètes et réelles comme la réhabilitation des territoires et l'atténuation du changement climatique, la réhabilitation des bassins hydrographiques qui sont parmi les derniers bassins qui restent sur la planète. C'est pourquoi, chers membres de cette conférence débat, nous sommes ceux qui détenons des connaissances importantes pour ce sens. C'est pour la raison pour laquelle j'invite le président Biden et les autres dirigeants mondiaux qui ont organisé et participent à cet événement de reconnaître que c'est dans leur responsabilité qu'il leur appartient de mettre en place des politiques qui puissent mettre fin à la destruction et à l'effondrement de la planète. Nous, les peuples autochtones, sommes prêts. Nous avons été prêts historiquement également et nous exigeons que nos actions quotidiennes changent. Il faut mettre fin aux assassinats et aux persécutions des peuples autochtones et des gardiens des forêts qui, eux, protègent les forêts, les mers, les ressources d'eau douce. Je salue cette initiative ainsi que les ministres qui sont ici présents
J'espère que nous allons pouvoir lancer ces actions de manière conjointe et cette lutte conjointe. Car si nous agissons tout de suite, nous allons nous sauver nous-mêmes. On ne parle pas de sauver les petits animaux ou la planète. On parle de nous, l'humanité. Nous devons donc travailler de manière directe avec les organisations, les structures et les différentes associations mondiales et locales sur le plan national, mais également international. Je vous salue et cette solution se trouve en nous et en vous. Merci. Oui, je suis très heureuse que vous soyez avec nous pour mettre en lumière votre activité. Merci. Je donne la parole à notre voisin du Nord. Monsieur Wilkinson, le gouvernement canadien a dit que l'investissement dans la nature constitue une des actions climatiques les plus efficaces possibles par le gouvernement. Comment est-ce que le Canada investit dans des solutions climatiques et où voyez-vous les opportunités? Je vous remercie, Madame la secrétaire Haaland. Je représente le territoire ancestral des nations autochtones. Je ne pense pas que l'on puisse le dire assez souvent, la nature est menacée par le changement climatique, mais la nature est aussi notre meilleur allié dans ce combat. Et nous sommes dans une situation assez unique. Nous sommes un pays du G7, nous sommes un pays industriel et nous sommes une des plus grandes sources de carbone de la nature. Et nous avons des buts ambitieux en matière de changement climatique, y compris les objectifs d'ici 2030, en route et zéro d'ici 2050. Nous avons également un engagement parallèle et complémentaire pour protéger nos terres d'ici 2035 de 30% d'ici 2030. Nos buts climatiques dépendent de nos investissements dans le cycle carbonique entier et l'allié, c'est la nature. Il y a également l'atmosphère qui peut détecter la nature et veiller à ce que le carbone ne soit pas libéré. Et troisièmement, il s'agit d'une chance de s'adapter au changement climatique. Plus dans le gouvernement fédéral et son budget qui a consacré des milliards de dollars pour la protection des eaux. Je suis heureux de dire que ce budget reconnaît également le rôle central de la conservation des populations autochtones et des populations de côte. Et nous qui œuvrons avec nos partenaires américains sur la conservation des terres autochtones, dans le cadre de la feuille de route d'administration Biden, nous nous réjouissons de coopérer au plan de l'Amérique du Nord. Nous savons ainsi qu'il s'agit d'un défi mondial qui nécessite un leadership mondial, qui nécessitera des investissements coopératifs de tous les pays. Nous devons assurer que notre système dote de mesures incitatives pour protéger le carbone et les zones naturelles riches en biodiversité. Protéger les systèmes est important pour les populations et les solutions basées sur la nature à faible coût. Nous allons tous surmonter la pandémie, mais nous sommes confrontés à une crise sans précédent liée à la biodiversité et à l'impact du changement climatique. Ensemble, cela menace notre économie, notre sécurité alimentaire et notre mode de vie. Nous avons besoin de nos alliés et de nos ressources et nous devons tous travailler ensemble pour bâtir un avenir positif et neutre en carbone pour tous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir partagé cette réflexion très importante. La jeunesse a tiré sur la sonnette d'alarme sur la crise climatique et sont des partenaires essentiels pour continuer de sensibiliser les populations. Est-ce que vous pouvez, Madame Sorin, parler de votre rôle à jouer dans le cadre des solutions fondées sur la nature? Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes qui sont avec nous par Internet et Johan, je souhaite remercier le président Joe Biden, Monsieur John Kerry, l'envoyé spécial du président, ainsi que cette invitation pour pouvoir parler des solutions fondées sur la nature dans le cadre de ce sommet. Nous, les jeunes dans le monde entier, nous trouvons
dans les premières lignes de ce mouvement en faveur de la justice climatique et avons plaidé en faveur de la nature et la santé de la nature au niveau mondial, national et local, que ce soit sur les rues, dans les rues ou dans les espaces de prise de décision. Nous exigeons des comptes des dirigeants mondiaux afin de pouvoir atteindre les objectifs de développement durable et dans les domaines de la technologie, de l'éducation, des sciences, de musique, de la mode, de divertissement, de l'alimentation et dans d'autres domaines. Nous faisons évoluer les choses à travers notre savoir-faire et de nos apports par l'action climatique. Nous savons que c'est une vérité, mais nous savons également que vous êtes conscients du fait que nous avons un rôle essentiel à jouer dans la défense des solutions fondées sur la nature. Ceci étant dit, nous faisons face à des complications et des difficultés par rapport à la voie que nous savons nous pouvons non seulement emprunter, mais diriger. Mesdames et messieurs, je souhaite partager la voie à suivre. Nous avons besoin de vous pour que vous puissiez prioriser la protection et un leadership significatif assuré par les jeunes en fonction du principe essentiel de l'équité intersectionnelle et intergénérationnelle et l'adoption des solutions fondées sur la nature, ainsi que la création des débouchés économiques pour les jeunes gens. L'éducation aux enjeux environnementaux devraient être au centre des solutions fondées sur la nature. Les solutions fondées sur la nature devraient reconnaître et soutenir les connaissances traditionnelles et pratiques des jeunes autochtones et promouvoir leurs moyens de subsistance fondés sur la forêt. Le soutien reçu des jeunes gens, surtout de ceux qui sont marginalisés et les populations autochtones, ne devraient pas être pris pour acquis. Les jeunes gens qui sont touchés par les crises climatiques se trouvent dans les premières lignes de combat, mais non pas à la une des journaux. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous, les dirigeants, pour que vous puissiez investir dans l'adaptation, le renforcement des capacités d'adaptation et la possibilité de concrétiser $1 milliard par an, comme cela a été promis. Vos Excellences, beaucoup de mes pairs dans le monde ont eu des violations des droits de l'homme à leur égard, et cela doit arriver à sa fin. Ces jeunes femmes autochtones, et moi qui suis ici à ce sommet, je souhaite dire que nous ne faisons pas, en fait, partie de la nature. La nature, c'est nous. La nature est une source d'identité, de culture et de langue. Les solutions fondées sur la nature peuvent être efficaces lorsque nos droits concernant nos terres, nos forêts et nos territoires sont reconnus et appliqués. Et lorsque il nous est garanti le droit de refuser ce que l'on appelle les projets soi-disant de développement qui ont des effets néfastes sur nous. Le consentement donné librement, préalablement à connaissance de cause, devrait être au centre de ces solutions fondées sur la nature, des politiques en faveur du climat à travers des démarches participatives et contraignantes. Avant de conclure mon intervention, je souhaite souligner le fait que les solutions fondées sur la nature ne peuvent pas être utilisées pour remplacer les réductions des émissions. Les pays doivent intensifier leur action climatique et œuvrer vers les zéro émissions nettes d'ici 2030 et non pas 2050. Il faut que la transition soit également juste dans le cadre de ce processus. Par ailleurs, les solutions fondées sur la nature ne devraient pas faire l'objet d'un greenwashing ou d'autres schémas de monoculture. Il faut qu'il y ait la nature et les populations dans les fondements de nos actions à partir d'aujourd'hui. Je souhaite conclure en disant que nous, la jeunesse, proposons notre passion, notre engagement, notre acharnement et notre savoir-faire et souhaitons collaborer avec vous. Assurez-vous de nous donner une place à la table de prise de décision. Il faut nous incorporer, nous soutenir et nous protéger. Il faut agir maintenant. Je vous remercie. Je vous remercie. C'était merveilleux. Entendre les jeunes me donne toujours de l'espoir.
Je suis navré que des jeunes de votre âge doivent se préoccuper de cette crise et ma génération aurait dû mieux faire pour l'atténuer. À présent, nous sommes heureux de donner la parole au ministère Luhut d'Indonésie qui a fourni ses remarques de l'autre côté du monde pour parler du rôle que joue la déforestation et que joue le rôle du rétablissement des écosystèmes bleus pour réduire les gaz à effet de serre et construire la résilience. Excellence, Joe Biden, président des États-Unis, mesdames et messieurs, ministres, c'est un tel honneur pour moi de me joindre à ce prestigieux forum, même si nous ne nous rencontrons que virtuellement. Je tiens également à remercier le secrétaire Kerry pour son invitation. L'Indonésie prend des mesures pour protéger, gérer durablement et restaurer les ressources naturelles. La superficie forestière en Indonésie est de 94,1 millions d'hectares, soit 50,1% de la superficie totale des terres, et le secteur forestier contribue à hauteur de 17,2% de l'objectif de 25% de notre CDN. Nous avons pris plusieurs mesures correctives pour réduire les émissions dues à la déforestation et renforcer les stocks de carbone par la réhabilitation des forêts et des terres. Le président Jokowi a publié un décret présidentiel pour geler de manière permanente les nouvelles licences d'exploitation forestière et d'utilisation des tourbières depuis 2019. Le taux de déforestation en Indonésie a fortement diminué au cours des dernières périodes et en 2020, la réduction a atteint 82%. Et la tendance de la déforestation basée sur les années précédentes tend à être stable. Nous avons également contrôlé et réduit les feux de forêt et de terre. Les stratégies pour ces mesures sont la prévention, la lutte contre les incendies et les efforts post-incendie en impliquant les travailleurs du gouvernement et les communautés environnantes. Nous formons les membres des communautés, environ 12 994 personnes, à devenir des brigades de pompiers forestiers pour contrôler et éteindre les points chauds et les incendies. En juillet 2020, nous avons réussi à limiter les cas de feux de forêt à seulement 64 602 hectares. Ce nombre a diminué par rapport à la même période de l'année précédente qui s'élevait à 170 000 hectares. L'Indonésie stocke près de 17% du stockage mondial de carbone bleu. Il s'agit d'une quantité importante qui ne doit pas être sous-estimée. La résilience côtière est essentielle pour l'Indonésie. L'un des efforts pour l'améliorer passe par le programme de réhabilitation des mangroves. L'Indonésie compte 3,31 millions d'hectares de mangroves, ce qui représente 20% de la mangrove mondiale. Le gouvernement indonésien a mis en place un programme de réhabilitation de la mangrove qui couvre 620 000 hectares de zones critiques. Notre objectif est de réhabiliter 150 000 hectares dans toute l'Indonésie cette année. Et d'ici 2024, toutes les zones nécessaires auront été plantées de mangroves. Le programme ne se préoccupe pas seulement de l'environnement, mais aussi de l'amélioration du bien-être des communautés. En outre, il renforce la capacité d'adaptation et étend la couverture terrestre, ce qui pourrait contribuer à la réduction des gaz à émission de serre. Le gouvernement indonésien s'emploie actuellement à construire un domaine alimentaire dans lequel nous intégrerons des technologies vertes et appliquerons les toutes dernières technologies d'agriculture de précision afin de réduire au minimum les déchets agricoles, l'utilisation excessive d'engrais et autres, tout en maximisant la production des cultures. Cela permettra de créer des emplois, d'améliorer les revenus des agriculteurs et de favoriser le développement rural. En outre, dans le Kalimantan central, nous combinons deux objectifs, améliorer la fertilité des sols tourbeux pour une agriculture plus rentable. Dans le même temps, nous contrôlons également les incendies de forêt qui peuvent libérer une quantité substantielle de CO2 dans l'atmosphère en appliquant des interventions extensives de gestion de l'eau. Cette année, nous avons transformé les prairies en terres agricoles fertiles pour les pommes de terre,
les échalotes et l'ail dans le nord du Sumatra. Enfin, l'Indonésie présidera le G20 en 2022 et l'ASEAN en 2023. Nous donnerons la priorité au changement climatique et nous soutiendrons les économies émergentes et les pays en développement pour atteindre l'ambition climatique mondiale. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec les États-Unis en matière d'action climatique et avec d'autres pays du G20 et de l'ASEAN pour atteindre cet objectif commun. Je vous remercie. C'est excellent d'entendre les perspectives de l'Indonésie concernant la collaboration. Nous avons énormément de leçons à tirer de votre approche. Monsieur le ministre White, le Gabon a pendant longtemps été champion de la gestion durable des écosystèmes et des forêts. Lorsque vous analysez le rôle joué par les écosystèmes dans la stratégie sur le long terme du Gabon, quelles seront les politiques stratégiques nécessaires pour la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature et de quelle manière avez-vous envisagé l'application de ces solutions au Gabon? Merci, merci Madame la Secrétaire. Le Gabon est un pays forte densité de forêt, faible montant de déforestation. Nous absorbons 4 fois plus de CO2 et des émissions de CO2 que ce que nous produisons. Le couvert forestier nous protège dans toutes les dimensions de la vie. À moins de pouvoir formuler une stratégie de développement durable fondée sur des principes durables pour maintenir ce capital naturel, nous allons perdre cette source naturelle. Comme l'a dit Son Excellence le Président de la République, si nous ne prenons pas des actions tout de suite très ambitieuses, il ne sera pas possible d'atteindre une hausse maximum de 1,5 degré, mais plutôt 3 ou 4 degrés seront atteints. À travers l'abattement de 3 ou 4 hectares tous les ans, nous pouvons exploiter ces aires tout en permettant la réhabilitation de ces terres. Et cela rend possible de créer des centaines de milliers d'emplois tout en créant des groupes de jeunes professionnels qui verront leurs moyens de subsistance comme étant liés à la gestion durable des forêts. Afin d'y parvenir, il faut des investissements internationaux, des acteurs privés et un suivi important. Nous avons besoin également de plans budgétaire qui protège la forêt du bassin du Congo à travers une sylviculture et foresterie durable. Nous savons que pour prospérer, nos industries forestières doivent être durables, positives en matière de carbone et biodiversité et responsables. Nous sommes à la recherche de partenaires qui partagent nos réflexions. Nous nous sommes engagés vis-à-vis de la durabilité de la terre et des océans. Nous travaillons avec des acteurs pour optimiser le piégeage du carbone marin à travers la création des aires marines protégées ainsi que d'autres mesures. Et nous sommes engagés à augmenter la terre protégée à 30%. Nous estimons que nous avons un modèle qui permet d'exploiter le pouvoir de la nature. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre White, pour avoir partagé vos expériences. Notre dernier point de discussion sera l'atténuation et l'adaptation. Le ministre Kihandra est un pays, en tant que pays de l'Amazone, le Pérou est une des régions les plus diversifiées du monde. Il a développé sa stratégie
quel rôle joueront les solutions basées sur la nature, surtout en ce qui concerne l'atténuation et les mesures d'adaptation? Merci, Madame la Secrétaire. Merci beaucoup. Je vous salue depuis Machu Picchu. Et ici, en fait, ce n'est pas une image. Ici, en fait, on a ce que l'on appelle en anglais « the real deal ». C'est du vrai. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes ici? Eh bien, c'est parce que nous souhaitons donner un signal à partir d'un point qui est connu comme étant l'apogée du développement de la civilisation andine. Une civilisation qui est caractérisée par sa capacité à mettre au point des solutions fondées sur la nature. C'est justement tout le sens de notre débat aujourd'hui. La culture andine conserve cette capacité. En fait, aujourd'hui, une grande part de nos communautés originaires continuent de conserver ces solutions fondées sur la nature, dans le cadre de leur paquet de solutions pour lutter contre les problématiques humaines. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le Pérou, nous souhaitons reconnaître ce rôle joué par l'environnement, qui est d'une importance extrême, surtout dans un pays avec des caractéristiques qui sont les nôtres. Dans ce sens, nous avons travaillé sur plusieurs plans. D'abord, nous avons travaillé sur la création d'un cadre institutionnel pour gérer les changements climatiques à travers l'adoption de la loi cadre pour les changements climatiques en 2018, le débat sur le plan national d'adaptation qui est en cours de validation définitive et où l'accent mis sur l'adaptation en fonction des écosystèmes est tout à fait présent. Et nous souhaitons que cela soit l'un des grands axes pour promouvoir les activités d'adaptation, ce qui est traduit par notre NDC actualisé où près de 33% sur les 154 mesures que nous avons identifiées sont notées d'une composante ou la possibilité d'être gérées comme des solutions fondées sur la nature, ce qui permet la gestion adéquate des ressources hydriques ainsi que des sols pour la production agricole, la gestion adéquate également des forêts. Nous avons également travaillé parallèlement sur notre stratégie nationale concernant le changement climatique qui va définir les orientations qui nous permettront d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en tant que pays et de pouvoir avancer dans la construction et renforcement de notre résilience face aux effets et aux risques générés par les changements climatiques. Pouvoir créer ce cadre permet de promouvoir des initiatives comme la récupération, la gestion durable des forêts, la réhabilitation des forêts, la restauration également des tourbières. Et c'est un peu ce que l'on a entendu de la part d'Indonésie, comme cela a été présenté par le ministre, et voir comment nous pouvons travailler également sur la restauration des écosystèmes pour la production de l'eau. Et c'est tout à fait ce qui a été proposé par la secrétaire à l'Inde avec le soutien des différents acteurs aux États-Unis et du Canada. Et essentiellement, c'est trouver une façon pour voir comment la nature peut apporter des solutions également au service des populations du Pérou, surtout à Lima, où nous avons 10 millions d'habitants. Notre travail est concentré tout particulièrement sur nos systèmes forestiers qui recouvrent près de 60% de nos territoires. Nous sommes un pays avec un couvert forestier très important. C'est ce que vous voyez derrière moi dans cette zone où nous sommes en région andine et amazonienne. Nous sommes le deuxième pays en matière de couvert forestier en Amérique latine. Après le Brésil, nous sommes le neuvième pays en couvert forestier à l'échelle mondiale, ce qui suppose une grande responsabilité, obligation. Et les solutions fondées sur la nature et ce lien avec les forêts sont très importants. Et c'est très important car il y a énormément de potentiel, mais également parce que tout cela est lié à la solution de notre source principale de génération des effets des émissions de gaz à effet de serre qui se traduit par la perte de forêts, 45% de nos émissions de gaz à effet de serre
proviennent de cette situation. Et donc, nos actions se sont centrées sur cette conservation et cette gestion durable du forêt, mais à partir d'une démarche tout à fait globale, c'est-à-dire comprendre son rôle joué pour le carbone, mais également pour créer des conditions nécessaires pour la biodiversité et pour d'autres services de l'écosystème, la régulation du cycle hydrique. C'est-à-dire que nous avons compris ici au Pérou que nous avons devenu un système qui est global à plusieurs composantes, et c'est l'outil nécessaire pour résoudre les problématiques environnementaux, mais également pour résoudre les problématiques de développement qui sont de plus en plus impliquées dans ces situations. Donc, dans cet ordre d'idées, nos activités se centrent sur le travail sur les différents types de forêts que nous avons dans notre pays, avec un accent tout particulier dans l'Amazonie, et cela fait l'objet de ce travail que nous effectuons par rapport à l'initiative pour la rémunération aux résultats que nous avons en association avec la Norvège et l'Allemagne. Et il me semble que le Royaume-Uni et les États-Unis souhaitent rejoindre ce type d'initiative. Nous souhaitons renouveler à partir de cette année cette initiative, étant donné que sa première période s'est achevée, et nous attendons avec très hâte le lancement des initiatives comme ce LIFT, ce qui créera des conditions nécessaires pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés comme pays dans le cadre de l'accord de Paris. Ce sont des objectifs en matière de technologie, assistance technique, mais également financement, ce qui est un élément toujours très important. Et c'est un financement qui doit non seulement s'accompagner de ceux qui proviennent de la communauté internationale, mais également des acteurs privés nationaux. Et nous avons énormément travaillé sur la création de mécanismes qui nous le permettent, ainsi que le financement public et national qui doit changer sa logique pour reconnaître la nature comme un acteur important. Au cours de ces derniers mois au Pérou, nous avons répété à plusieurs reprises le slogan, et c'est que la nature est de retour. Et je pense que c'est en fait cette thématique, ce slogan qui doit être promu, et nous espérons que d'ici juillet, avec le nouveau gouvernement, ce slogan sera maintenu et que nous puissions continuer de reconnaître ce rôle fondamental joué par la nature, qui est nécessaire parce que la nature est notre allié, non pas notre adversaire. C'est notre allié principal qui nous permet d'assurer notre bien-être, notre survie. Et c'est ce qui est en jeu à l'heure actuelle, étant donné les situations comme COVID-19 et les changements climatiques. Je vous remercie. Monsieur le ministre, c'était extraordinaire. Oui, je sais que nous pouvons beaucoup apprendre de la part des populations autochtones du Pérou qui continuent de vivre selon leurs traditions, utilisant la nature comme guide pour planter leur culture et transmettre ces connaissances aux générations futures. Je vous remercie tous d'avoir participé à la rencontre d'aujourd'hui, d'avoir partagé vos réflexions extraordinaires avec nous tous. Lorsque j'ai grandi, j'ai compris que nous avons une obligation de nous protéger les uns les autres et d'œuvrer de concert pour que tout le monde puisse s'épanouir. J'ai appris auprès de chacun d'entre vous et vous serez une ressource pour nous tous à mesure que nous continuons de travailler ensemble sur des solutions basées sur la nature pour veiller à ce que nous ayons un futur durable et équitable. Je vous encourage à écouter les remarques de conclusion de la journée par l'envoyé spécial John Kerry, et je vous remercie encore une fois. To view Special Envoy Kerry's closing remarks, please make your way to the climate security meeting. Thank you.